Et aujourd'hui, on est avec deux filles avec un profil aussi particulier. Bonjour les filles. Bonjour. Donc, comment tu t'appelles? Camille. Et toi, tu t'appelles Asia. Comment? Ok, enchantée les filles. Donc, on m'a dit que vous étiez des boxeuses. Quand je vous vois, j'ai du mal à y croire. J'ai jamais vu des boxeuses comme ça. Comment ça vous est venu l'idée de faire la boxe? C'est grâce à son père. D'accord, ouais. son père, il est coach, c'est ça? Oui, voilà, il nous a conseillé et après, nous, par la suite, ça nous a plu. Du coup, on a continué. D'accord, voilà. Vous avez commencé à l'âge de. À quel âge? Il y a 6 ans. Ouais, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Oui. D'accord. Je voulais savoir, ça vous apporte quoi ce sport? Ça nous permet de nous défendre. De vous défendre? Puis de nous canaliser. Toi, t'es quelqu'un qui est agité, toi? C'est ça? Peu. Un petit peu. Et vous faites quoi quand vous allez aux entraînements? Comment ça se passe un entraînement de boxe? On commence par un échauffement, on court, on fait des abdos. Beaucoup d'abdos, ouais. Pour nous endurcir. C'est sûr, et c'est mélangé ou c'est... Oui, c'est mixte. C'est mixte. Ouais. D'accord. Et vous faites ça dans quel club? Comment il s'appelle le club? Ouais, Clessouilly. Il y a un nom du club ou pas? Clessouilly Sportif. Ok, ça marche. Je voulais savoir aussi, qu'est-ce que ça vous a appris? Est-ce que ça vous a impliqué des valeurs? Oui, le respect envers les autres, c'est important. D'accord. Et vous êtes à quel niveau à peu près? Comment ça se passe, le niveau en boxe? Il n'y a pas vraiment de niveau, mais sinon, pour l'instant, c'est plus un loisir, mais après, par la suite, peut-être, on fera des compétitions. D'accord. Et vous avez des ambitions plus tard, peut-être de continuer la boxe? C'est sûr. Ouais. Dans quelle discipline? Coach, joueuse? Enfin, je ne sais pas si on dit joueuse, on dit comment? Boxeuse, c'est boxeuse, ça? Boxeuse, ouais. Boxeuse. Et ça vous plaît vraiment, en tout cas? Vraiment, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez des difficultés par rapport aux garçons? Parce que on pense souvent que la boxe, c'est un sport masculin, parce que c'est vraiment très viril. Est-ce que vous avez des problèmes à ce niveau-là? Non, pas du tout. C'est un club familial, ça veut dire qu'on s'entend bien avec tout le monde. Avec tout le monde. Ouais. Et à l'école, par exemple, il y a des garçons qui vous charrient un petit peu. Oui. Hey, regardez, elle a fait de la boxe. Ils vous disent quoi, par exemple? Ils nous disent, la boxeuse, tu vas me taper. C'est vrai. Ouais. Moi, on m'a dit une fois, il y a un garçon, il marchait sur le même trottoir que vous. Et il a changé de trottoir, c'est vrai ou pas? C'est une légende? Non, c'est une légende. Gentil. Vous êtes gentil. Ouais, ah, ça, ça va, alors je suis rassuré. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un plus beau souvenir qui s'est passé pendant votre... Ah oui. On a fait un stage en Thaïlande. Pendant 3 semaines. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? C'était assez dur, beaucoup plus intensif. D'accord. Mais on a réussi à tenir. C'était super. Et vous faisiez quoi là-bas? C'était pareil qu'ici? C'était, Pareil, mais beaucoup plus dur avec la chaleur et tout. Ouais. Il faisait 38 degrés dès le matin. Enfin, d'accord. C'est un petit peu comme dans Pattaya, en fait. C'est, si on veut. D'ailleurs, on l'a pas dit, vous faites quel genre de boxe? La boxe thaï. Ça consiste en quoi, la boxe thaï? C'est avec les poings et les jambes. Et les jambes. Et ça va, vous arrivez à gérer? Ouais. Ok. Écoutez, les filles, je vous remercie. Peut-être que vous voulez faire passer une petite dédicace à votre club, à vos copines. Parce que je vois, il y a deux copines à vous derrière qui attendent que ça. Lina et Donia. Lina et Donia. Ok, on peut les filmer ou pas? C'est possible, caméraman? Voilà, c'est après les timides. Ok. Sur ce, on se laisse là-dessus et on se dit au prochain épisode. Merci. Merci les filles. Ouais, bravo.